Nous sommes au 5e étage dans le service de déficience sensorielle avec le volet rééducation auditive et réadaptation de l'handicap visuel. Suite à des pathologies de l'œil, du nerf optique ou des lésions cérébrales, le patient peut se retrouver en situation de déficience sensorielle avec des répercussions dans les activités de la vie journalière. Le médecin du service va coordonner les équipes en lien avec le psychologue et l'assistante sociale. Le dossier sera complet. Vous pouvez venir me voir ? À son admission, le patient est accueilli par la secrétaire qui lui présente le déroulement de sa journée. L'orthoptiste évalue le potentiel visuel du patient par des examens quantitatifs et fonctionnels. Il propose une rééducation permettant au patient d'optimiser sa vision à ses activités. Je vais scanner toujours dans le sens de la lecture, de façon à retrouver les choses. Le service est doté de 3 cuisines thérapeutiques. Le patient peut expérimenter une situation réelle de préparation de repas en utilisant les gestes et techniques, lui permettant d'être le plus indépendant possible et ainsi de gagner en confiance dans ses capacités. En ergothérapie analytique, la pratique de l'activité manuelle permet au patient de développer le toucher et les stratégies d'organisation qu'il pourra ensuite transposer dans les activités de la vie quotidienne. Le braille est un moyen de communication pour avoir accès à la lecture, à l'informatique ou tout simplement au marquage. Cette activité est travaillée à la demande du patient. Merci. Je vous en prie. Concernant l'informatique, la réadaptation va pouvoir se faire par l'apprentissage de la dactylographie et des raccourcis clavier nécessaires à la navigation. Des logiciels d'agrandissement, de vocalisation ou de reconnaissance de caractères sont également utilisés pour permettre une pratique adaptée, fonctionnelle et confortable de l'outil informatique. En balnéothérapie, le patient redécouvre les sensations agréables de l'effort physique. Et l'environnement qui potentiellement était inadapté redevient familier et accessible. Concernant la locomotion, le patient apprend à analyser le carrefour grâce à son audition. Il pourra alors choisir sa technique de traversée la plus appropriée. Ensuite, il va, avec sa canne, localiser l'emplacement du passage piéton, les éventuels reliefs et les obstacles. La psychomotricité est un domaine de rééducation qui a pour objectif d'aider le patient à être plus à l'aise avec son corps. La danse est une des activités qui permet au patient de se représenter son corps dans l'espace. Le patient va ainsi développer sa conscience corporelle et va être plus à l'écoute de ce qu'il fait et éprouver du plaisir. La rééducation auditive aide les personnes appareillées à développer des capacités à mieux distinguer les mots par rapport aux bruits environnants. Elle consiste en plusieurs ateliers de stimulation auditive. Grâce à cela, le patient peut retrouver le plaisir à participer aux activités sociales. La réadaptation va chercher à récupérer l'autonomie la plus complète dans tous ces domaines concernés.